Qui a dit qu'il faisait pas beau à Nantes? Salut, moi c'est Jessie et je vous donne rendez-vous aujourd'hui à Audencia Business School pour un événement qui est très important pour nous étudiants d'Audencia, c'est la Career Connection Week. Donc la Career Connection Week, c'est quoi? C'est près de 40 alumni qui vont venir nous faire part de leur expérience à l'international et en France. C'est également des professionnels du monde de l'entreprise qui vont nous parler de leur structure. Et finalement, on a Audencia qui va nous parler grâce à des ateliers, près de 180 ateliers, qui vont nous permettre de préciser un parcours professionnel. Donc c'est parti! C'est parti pour l'atelier carrière. Donc maintenant, ça va être le stand alumni. On avait des choix entre différents secteurs. Moi, j'ai choisi le choix du conseil et aussi l'audit que je ferai plus tard. Donc dans le conseil, ce sera spécifiquement Weave et KPMG. Donc là, je vois qu'il y a quand même déjà beaucoup de monde, alors j'y vais. À tout à l'heure. Donc là, on a pu voir des étudiants, des anciens étudiants, donc des alumni comme on appelle. Et on a pu voir aussi des professionnels qui, eux, se spécialisent plus à l'international. Et dans le cadre de notre futur stage, qui sera stage comprendre à l'international, on a aussi pu avoir des tips, donc comprendre plus facilement comment trouver un stage, sur quoi se baser, quel pays prendre. Donc pour moi, je pense que c'était quelque chose d'assez intéressant, surtout que Audencia se base principalement sur l'ouverture internationale. Donc c'est un moment qui est très important dans la carrière Connection Week. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la Career Connection Week et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir des alumni qui vont nous faire part de leur expérience. On va aussi voir des consultants de la Career Center qui vont nous expliquer comment faire des CV, comment faire des lettres de motivation. Et dans un deuxième temps, l'après-midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir des entreprises partenaires avec Audencia. Bon allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Charles, je suis diplômé Grande École d'Audencia, promo 2015. Je travaille actuellement en Suisse pour l'entreprise de luxe IWC Schaffhausen, en tant que bras droit du PDG. Donc on est là aujourd'hui pour partager avec les étudiants, donc sous forme de conférences, sous forme de discussions, sous forme de recrutement et de conseils pour leur carrière, et puis nous redonner l'aide qu'on a pu recevoir à l'école aux étudiants d'aujourd'hui. Bonjour, donc je m'appelle Chloé Rondin, je suis responsable RH chez Point P pour le groupe Saint-Gobain et plus précisément Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Aujourd'hui, en fait, moi je travaille aux ressources humaines, donc principalement sur des problématiques de recrutement. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on présente aux étudiants le groupe à travers un escape game. Pour nous, c'est hyper important aujourd'hui, dans le cadre de nos recrutements, que ce soit en stage, en alternance ou même en emploi direct, en fait, de pouvoir valoriser ses compétences auprès des étudiants. Et c'est beaucoup plus sympa pour nous aussi aujourd'hui d'être là dans ce contexte. Donc bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Berthelot, je suis consultante carrière pour le Career Center d'Audencia et l'objectif de la Career Connection Week pour les premières années des étudiants du programme Grande École d'Audencia, c'est vraiment de leur mettre l'accent sur leur recherche de stage à l'international pour cet été. Donc Audencia a invité plusieurs entreprises comme Metro, Saint-Gobain et moi j'ai décidé d'aller chez Fidal. Donc Fidal c'est quoi? C'est un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. Donc je vous laisse parce que ça va bientôt commencer. Donc aujourd'hui c'est le troisième jour de la Career Connection Week. C'est une journée qui sera plus courte que les deux premières journées, mais qui sera toujours aussi riche. À ce que j'ai compris, elle sera centrée sur la digitalisation, les avancées technologiques et son impact dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc là, je vais aller prendre le tram.
matin, on a fait une conférence qui était All in English sur la digitalisation. Maintenant, on va voir Sabri qui est en troisième année et qui revient de ses yeux. Ah, Sabri, ça va? Tu vas bien? Ça va. T'es de retour? C'est bon, je suis de retour. Après un an de césure, je suis de retour à l'DMCA pour faire ma majeure en management des politiques publiques et internationales. Et du coup, cette semaine, c'est à Career Connection Week. Donc du coup, comme toi, ça va me permettre de m'éclairer sur le marché du travail et sur mon projet professionnel. Mais à la différence, en fait, c'est que dans un an, moi, j'atterris sur le marché du travail. Donc du coup, ça va me permettre justement de finaliser mon projet professionnel. Ça y est, la troisième journée se termine, donc on se retrouve demain pour le dernier jour. Salut! Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la Career Connection Week. J'ai préparé un CV. J'ai préparé des lettres de motivation pour les montrer aux consultantes du Career Center. Donc à tout à l'heure! Moi, la question que je vais vous poser, c'est aujourd'hui, comment je peux vous aider? Alors moi, j'ai surtout fait des CV. Ok. J'en ai fait un en français, un en anglais, je ne sais pas... On va regarder les deux. D'accord. C'est pour votre stage comprendre? Oui, ce serait celui que j'aimerais donner. D'accord. Donner oui, stage. Ça marche. Je vais regarder ça. Look me in the eyes. Aujourd'hui, on est donc le dernier jour de la Career Connection Week. Après les avoir vus en format collectif toute la semaine, on les voit aujourd'hui en individuel. On leur donne la possibilité de venir corriger leur CV, lettre de motivation, répondre à des questions qu'ils pourraient avoir suite à justement leur projet professionnel ou leur future recherche de stage, corriger leur profil LinkedIn. On est vraiment là pour répondre à tous leurs besoins. Et également, on leur propose de venir se faire prendre en photo pour pouvoir actualiser leur futur profil LinkedIn ou justement leur CV en vue de leur future recherche de stage. Nous, aujourd'hui, on est là pour les étudiants pour la Career Connection Week, mais en fait, on est surtout là toute l'année pour les étudiants, tout programme, tout niveau, et même une fois qu'ils sont diplômés d'Audencia. Et maintenant, ils ont également la possibilité de prendre leur rendez-vous en ligne suite à un super nouvel projet qui se lance, où les étudiants peuvent aller directement sur leurs outils en interne pour prendre un rendez-vous carrière qui s'adapte à leurs besoins, donc sur différents créneaux, en anglais, en français, sur site, à distance, tout comme ils veulent, et on est vraiment là pour eux tout le temps. Là, je viens de passer un entretien avec un responsable du Career Center. J'ai pu modifier, adapter mon CV par rapport aux attentes des futurs professionnels. Donc aujourd'hui, la Career Connection Week s'est terminée. J'ai tous les outils en main pour aller de l'avant. Si j'en ai besoin, je pourrai toujours aller voir les responsables du Career Center et j'ai plus qu'à décrocher mon futur stage.